Yo, salut à tous, c'est Martios et on se retrouve pour un petit combat PVP. On y retrouve Elo face à Evils. Evils, un habitué, on ne le présente plus. Elo, c'est un Inutrof qui est en 12-6, si mes souvenirs sont bons. C'est le deuxième Inutrof qu'on voit sur Erat. Il y en a que deux avec T'as perdu. Donc ça fait plaisir, on voit de la différence. Donc il a probablement exactement le même stuff. Hein. Il a vu T'as perdu, oh, trop fort, oh, je vais prendre le même stuff. Donc il est certainement Racine City. Il joue certainement terre avec de l'agilité. Il va certainement s'approcher, corrupt. Il va se débarrasser à mon avis du chaton et il va faire full cac, 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 cac. Le contre de ce stuff, il est simple. Soit vous avez un debuff pour virer les PM qui va se donner. Vous lui virez des PM, vous le tenez à distance et à distance il ne fera rien. Le pire contre ce stuff, c'est le crâne. Avec le Kra, l'Inutrof ne pourra rien faire. Il suffit juste de lui virer ses PM, de le tenir extrêmement loin, et il ne pourra rien faire. Il ne pourra absolument rien faire. Il ne peut pas se debuff les PM que vous allez lui enlever, etc. etc. Ou petit bruit d'un jeu, c'est pas bien grave. Donc voilà, normalement c'est passé. C'était un petit jeu là voilà, dans la sous-fenêtre, je sais pas comment on appelle ça exactement. Bref, changeons de sujet. Donc il fait une petite corrupte, maîtrise du cac, il va se rapprocher, il va faire full cac 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 hein, comme d'habitude, mais Evil ça déco, non c'est bon, il a reconnecté, tant mieux, donc que va-t-il faire? Il va bien entendu passer, il va bourriner son cac, donc ouais comme je vous l'ai dit, hein, le meilleur moyen de contrer ce stuff, qui est juste full cac bourrin, c'est de le tenir à distance, lui virer ses PM et il ne pourra rien faire, hein, voilà. Ou alors vous maximisez vos résistances neutres avec des petits pourcents fixes également. Et il ne pourra absolument rien faire. Qu'on soit d'accord, il ne vous tuera jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voyons voir un peu comment ça va se dérouler. Même si je pense que il a clairement l'avantage. En plus il lui a fait une bonne petite roulette à moins 500 en force, à plus 500 en force. Voilà, donc il va probablement même le tuer ce tour-ci. Ouh, la petite arachne. Oh, ça fait plaisir. GG à lui. Il fait des coups de bluff sur le sac. Hop, l'Inutrof fait des buffs. Du coup, il a plus sa maîtrise. Il a plus son boost de PM. Il n'a plus la roulette. Bah, que dire de plus. Par contre, elle n'est pas niveau 6. Dommage. Il aurait dû la monter niveau 6. Car c'est très, très, très fort. Elle tape vraiment extrêmement fort au niveau 6. Donc, voilà. Que va-t-il faire de plus? Une petite lancée de pelle, maladresse, lancée de pelle. À mon avis, il va peut-être s'éloigner. Si, comment il s'appelle, Evils a assez de PO pour le gérer à distance, il va pouvoir le gérer comme il veut. Après, s'il n'a pas assez de PO et qu'il est obligé de se rapprocher, bah, malheureusement, il va perdre. Parce que l'Inutro va lui faire des coups de cac à l'infini. Ouh, roulette passe ton tour. Ah, malheureusement, je pense que ça va être aussi pour lui. Dommage. Voyons voir, hein. Même si je pense que ça va être pour lui également. Oh, c'est pas pour lui. D'accord, oh GG. Oh, et en plus il a pris le stuff de roulette. C'est pas mal, nice. Fail de la recop, hyper impa. Ouh, recop sous plus 50 dos. Dommage que le deuxième ne soit pas passé. Donc là il ne pourra pas cac. Et en plus il n'a pas assez de PM pour s'approcher. Il n'a plus non plus son buff pour se donner des PM et caquer. Donc là, regardez, hein, il fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Là, il a fait un bon gros critique. Bon, il a encore fait un gros crit, mais ça, je pense que c'est la roulette critique, si je me souviens bien. Non, c'est bon. Après, il a plus 60 de dégâts également. Donc voilà, hein, imaginez, sans crit et sans dos, ben, il passe à 100 points de dégâts avec ses roulettes. Comment ça s'appelle encore ce sort? Voyons voir. Je ne fais que bégayer depuis tout à l'heure, ça ne va pas. Avec ses lancers de pelle. Il fera que du moins 100, tandis qu'au cac, ouh, petit debuff, ça fait toujours plaisir. Et ben là, la chance est vraiment de son côté, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Oh, échec critique, dommage. Allez, moi je suis du côté des Vils, espérons qu'il va gagner. Il fait un petit trèfle pour se donner des coups critiques, même si ce ne sera pas très utile. Ah, il a quand même fait sa voie de la fortune, donc au final c'est utile. Bon, il va quand même perdre un tour de sa roue de la fortune. Il aurait peut-être dû le garder pour le prochain tour, s'il ne se rapproche pas en tout cas. Parce que là, il va perdre un tour de roue de la fortune s'il ne se rapproche pas. Et s'il est Inutrof non plus. Donc, est-ce que l'Ekaflip va rester
éloigné pour tenter de se soigner. Mais comment va-t-il se soigner? Il ne peut faire que des fellations. Il n'y a que ce sort qui le soigne. Comment il s'appelle ce sort? C'est... Le sort qui fait des dégâts neutres et qui soigne en zone. Que ce soit allié ou ennemi. Je ne sais plus. Mais je pense que vous voyez c'est lequel. C'est... Il y a trois lettres, je crois. Oh, je me souviens plus. Bref, c'est pas grave. Donc, malheureusement, actuellement, Linstrom ne peut pas faire grand-chose. Ouh, il fait encore un debuff. Oh là là, mais il n'en finit plus. Du coup, voilà, sa petite cupidité, n'a servi à rien. J'avoue, là, sur ce coup, Lucky depuis le début. Mais bon, ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit, il va tenter de rester à distance et de se soigner. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il se soigne. Il a peut-être une KO aussi pour se soigner, peut-être. Ça sera toujours du plus 20 par tour. On approchera vite des 100 si ça continue comme ça. Maintenant, faut voir s'il l'a également. Mais j'espère que ça va vite se fight parce que sinon, ça risque d'être ennuyant. Il peut même pas faire des lancers de pièces à cette distance. C'est toujours 10-20 dégâts de prix, hein, ma foi, quand on ne peut faire que ça. Donc, petite roulette AJ, roulette PO. Va-t-il avoir la range pour le taper d'ici? Voyons voir. Ouh, il peut faire des recop à cette distance. Allez, dernier, ça passe. Et ça passe. Eh bien, GG Ivils. C'était une double track en plus. Eh bien, bien joué à lui. Bien joué à Evils. Oh, tiens, c'est un deuxième combat. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Barcios. Ciao.